Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCRSI. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pardon, concernant l'IAE. Donc, ça va faire quelques jours qu'il n'y a pas eu de spécial IAE, on va dire. Et celle-là, c'est une spéciale IAE. Alors, je présente pas le hangar de Drake, mais je vais vous présenter certains vaisseaux que moi, en tout cas, j'adore particulièrement. Bon, il y a le Vulture que je ne présenterai pas dans ces vidéos, pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà deux vidéos de sortie dessus, hein, sur ma chaîne. Ce qui est quand même pas mal, et bon, je pense qu'on voit assez pendant ces deux vidéos. Donc, le Vulture, pour tous ceux qui s'y attendaient, il n'y aura pas. Mais là, du coup, je vous présente le Drake Corsair. Donc, pour moi, visuellement, bon, après, beaucoup de pas mal de monde le connaît, mais d'ailleurs, vous ne me demandez pas pourquoi je suis en tenue comme ça. Il s'est passé une sale histoire juste avant la vidéo. Je peux pas en parler. Mais visuellement, en fait, moi, je le trouve assez classe. Et pour faire du PvE, je le trouve assez, comment dire, assez bon, assez fort. S'il est bien amélioré comme il faut ou quoi, pour moi, ça reste un très, 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 très bon vaisseau. Déjà, niveau esthétique, il est présent, hein, il est dans le game, vraiment. Je le trouve hors pair. Même si après, on pourrait croire que là, par exemple, c'est pas le pilotage, alors que c'est le pilotage, il me semble. De toute façon, on va voir quand on sera à l'intérieur. Mais surtout, les ailes qui se déplient, enfin, il y a ça. En fait, moi, de toute façon, tout ce genre de vaisseau où il y a des ailes qui se replient, qui se déplient, ça me fait de l'effet, quoi. Ça me fait vraiment de l'effet. Donc là, je me suis mis sur une planète où il y a très peu d'atmosphère, où on peut vraiment tester le vaisseau. Après, il y a des points noirs, le vaisseau. Pour moi, concrètement, il a des points noirs. Après, ça, c'est un vaisseau qu'on peut améliorer les armes, les trucs dans le genre. Donc, c'est pour ça que je dis que PvE parlant, il est vraiment insane. Il a un bon DPS, tout. Donc, en vrai, il est pas mal. Et par-dessus le marché, il y a une soute. Une soute qui est quand même pas négligeable, qui est assez spacieuse. C'est pas un vaisseau non plus transport de ouf, mais ça peut servir, voilà. Comme moi je dis, tu mets un petit truc là-dedans et tu vas sur les planètes, tu t'amuses, quoi. Ça, y a pas à tortiller du cul pour y aller, je crois. Hop. Donc, même la façon, voilà, dont se ferment les portes. Moi, je. Après, c'est Drake. Je suis assez fan de Drake. Quand je dis Drake, c'est pas Drake le chanteur. Hein. C'est la marque. C'était la petite blague. Merci à tous. Ça se finit là. Non, c'est une blague. Mais moi, je kiffe cet aspect un peu industriel. Bon, dommage que là, par exemple, vous voyez, ça, c'est le côté aussi où j'aime pas trop, hein, forcément. Où tout vraiment est apparent, en fait. J'aime bien le côté industriel. Mais pas à ce point-là. Voilà. Là encore, ils ont travaillé leur câble pour qu'il soit propre, celui-là. Mais autrement, moi, je pense que là, il aurait pu mettre des petites plaques, même si c'est des plaques un peu comme au sol ou un autre truc. Je pense que ça aurait fait autant l'affaire, voire même mieux, parce que jamais
dans un vaisseau, on laisserait des composants comme ça à la vue de tout le monde ou à la vue comme ça, parce que il suffit qu'il y ait une couille qui soit mise dans le piston là, par exemple, dans le truc hydraulique, et c'est fini quoi. Donc, la soute, là, à savoir que je le connais pas de ouf, mais je vais pas. Il y a des tourelles sur les côtés où je ne rentrerai pas. D'accord? Tout simplement parce que. Parce que chez c'est buggé. Donc là, il y a tous les composants. Voilà. Powerplant. Batterie. Hydrofuel tank. Et quantum fuel tank. Alors, on n'a pas l'impression qu'ils sont gros, mais ça va. Hop. Après, là, c'est des rangements. Ça, je pense que c'est pour les tenues. Là, les armes. Je crois qu'il y en a une de chaque côté, donc c'est un truc... Donc, c'est quand même... Il y a quand même pas mal de... De choses à faire quoi. Et là je crois que ça donne sur l'extérieur. Ouais ouais ça donne sur l'extérieur. D'ailleurs même ça là c'est tout. Ce truc là pif pif avec genre on ferme on nous. Je suis fan hein, de Drake de toute façon c'est. On pourra pas dire autrement. Donc je suppose que de l'autre côté, il n'y a pas la même chose, d'accord? Bah, ça vient de mettre un stop direct à tout ce que je pensais. Donc là, cette petite salle commune, on a... Je sais que ceux qui regardent ma vidéo, ici, j'ai vu pas mal, j'ai vu quelques petits combats de boxe se faire. Sur son partage d'écran, mais j'ai vu quelques petits trucs se faire. Donc là, c'est une douche, et je pense qu'il y a le chiotte là, ouais. Ouais, ça. Donc, tac. Donc cette pièce me fait assez rigoler. Hein. Encore hier soir, il y a eu des combats de boxe. Petite couchette, là, je crois que c'est que des couchettes, là, il me semble. Et après, il y a l'ascenseur. Voilà, couchette. Donc là, c'est l'ascenseur. Donc ascenseur, il monte... De toute façon, il peut que monter, merde. Monter et descendre. Donc il va soit sur le toit, soit au sol, et ou soit ici. Donc ça par contre c'est le côté dommage, je vais vous montrer. Parce que moi je le trouve personnellement dommage, c'est ces manettes. Bon après là ça va changer avec le nouveau système. Mais vous voyez c'est toi en bas et là où on est quoi. Donc dans un sens c'est bien. Merde. Dans un sens c'est bien parce qu'il y a quand même l'animation, il y a tout. Il y a un côté où on sent quand même plus... on sent que c'est une autre perso qui fait les trucs dans le vaisseau. Donc première tourelle et deuxième tourelle. Donc à savoir que je vous connais ceux qui ne sachent pas. Les tourelles parfois sont un peu buggées. Donc en fait, quand parce que vous pouvez mourir dedans, voilà, vous pouvez vous prendre une balle. Je sais que Pic, quand on a joué au jeu, il s'est pris une balle dans le thorax. Il s'est fait un shot, donc je pense que ça a dû toucher un organe vital ou quoi. Et par une tourelle justement qui était au sol. Et pour le rien, en fait, on pouvait pas rentrer parce que ça, en fait, c'est un sas. Il se ferme complètement. Donc, en fait, s'il y a un mec qui rentre dans votre vaisseau, qui rentre par là, vous pouvez plus le sortir. Voilà. C'est un peu bête parce qu'on peut pas ouvrir les portes. Donc, je trouve ça dommage. Il faut faire très attention à ça. Et si vous voulez tuer le mec ou même libérer, réanimer votre ami qui est là, vous montez sur le toit et vous sautez sur la vitre et vous accroupissez. Pour glitcher à travers, pour pouvoir le réanimer ou tuer le monsieur qui s'y planque. Voilà, comme ça au moins, vous savez comment tuer un mec qui vient squatter votre Drake. Donc là, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est la couchette du capitaine. Voilà, il y a tout ce qui fait une belle petite couchette. Donc ça, moi, ce que je trouve bête, c'est qu'il y a 3-4 couchettes, 4 couchettes en tout. Mais par exemple, il n'y a que deux sièges ici. Les autres, ils sont obligés de s'installer dans le réfectoire qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Donc, bon, c'est bien. D'un côté, ça peut avoir son effet. Donc, les deux pilotes, les autres, ils peuvent pas faire une muse. Bah, ce qui s'est passé justement hier. J'ai pas eu le temps de break, mais. Vous êtes les cons. Avec de la drogue, marchandises droguées,
de la drogue dans notre cargo. Donc, mais c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi de belles choses. Donc c'est pour ça que je ne critique pas trop l'aspect où il n'y a que deux sièges devant. Donc, à savoir que, tac, là nous sommes en haut. Voilà. Et il y a, il me semble qu'il y a une tourelle où il y a un truc pour descendre en bas. C'est pas une. Si c'est une tourelle, ça. Mais en gros, vous pouvez descendre en bas. Pire, on va essayer de trouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause le temps de trouver cette zone. Parce que c'est vrai que j'ai pas réussi encore à la trouver. Donc je reviens tout de suite vers vous. Donc voilà, j'ai pas eu besoin d'aller très loin. Vraiment, ça m'a pris 2 secondes. C'est bien ce qui. En fait, c'est. J'étais pas sûr de ma connerie. C'est pour ça que je préférais vérifier avant pour éviter de vous induire en erreur. Mais regardez, si je quitte le siège, là, je suis en bas. Hein, on voit bien. Je suis au bord du sol. Voilà. Hop là! Voilà, donc en fait c'est bien ce qui me semblait, c'est le siège, il descend en bas et ça c'est très stylé. Enfin toutes les trucs comme ça, de toute façon moi je suis fan, je suis un enfant face à ça. Donc on va essayer de le faire en vol, donc là vous allez connaître son point faible, personnellement, que moi je trouve. Donc on va se mettre en vue, hop comme ça, on va rentrer toutes les... Donc là, voilà, donc genre on peut voir les réacteurs qui sont tournés. Ça, c'est pas pour aller vite, mais je pense pour avoir de la stabilité dans les airs, en atmosphère. Et je connais pas la touche, malheureusement. Hop. Je connais pas la touche in-game. Voilà. Et ça, les amis, ça, moi, pour moi, je. C'est bête à dire, hein, mais je surkiffe vraiment. Donc, concernant l'armement, il y a celle de devant. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, donc il y en a 4 qui tirent devant. Donc, ça reste des bourlingues, des bons bourlingues. Et ça. Ça peut être amélioré, hein. Donc, et dites-vous qu'il peut y avoir des tourelles sur les côtés, hein. Donc, et il y a celle sur les ailes. Voilà, on en a une sur chaque aile. Donc, ce qui est pas dégueu non plus, hein. Ça peut s'améliorer. Et on a 8 torpilles. Voilà, donc ça charge, voilà. Tac. Donc pour ça va. On va se remettre en joystick. Du coup, après le point noir justement que je voulais vous parler, bah c'est ça. En fait, il est bien. Il est pas trop massif. Mais je trouve que pour faire ses rotations sur lui-même. C'est pas une dingue, quoi. C'est pas vrai. C'est. Donc ça tendrait un peu mieux quand même. Et en termes de vitesse, c'est pareil, quoi. On n'est pas non plus sur une F1, quoi. Ça, je trouve ça dommage, en fait. C'est. Ça retire un peu ce côté où. C'est pas un chasseur, je sais même plus dans quelle catégorie il est, mais ça retire pas mal de choses dans ce style. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est ce qui lui manque. Bah après, il faut qu'il lui manque des trucs, hein, parce qu'autrement, il serait vraiment très énervé, voire trop énervé. Donc, moi, ce vaisseau, j'ai voulu vous présenter parce que je l'aime bien, je l'attendais. Mon préféré, mais. Ça reste quand même une petite pépite, comme on dit dans le jargon. Et puis même l'aspect de tourner les ailes, des trucs dans le genre, moi, je reste fan, quoi. Ça vraiment. Tac. Voilà, j'essaie un peu de tout. Hein, là, je suis vraiment m'amuse. Donc voilà pour la présentation de ce corsaire. Donc en soi. Très bonne gueule, il est assez stylé en soi dans tout ce qu'il entreprend. Donc pour moi, il fait partie des high level, hein, enfin de mes préférés en tout cas. Donc non, franchement stylé. Du coup, je devais aussi vous présenter des bombardiers. Donc malheureusement,
Ils ont quitté notre monde un peu trop rapidement. Comment expliquer, il y avait des bugs, il y a eu des bugs avec les panels, et du coup, moi, mon bug, bah, je l'ai eu, et je voulais vous présenter Bombardier Furtif, l'Aegis, non, l'Eclipse. Eclipse. Et un autre bombardier lourd, un des nouveaux. Et du coup, bah, je pourrais pas vous les présenter. Je suis un peu déçu, pour je pense qu'il y en a qui l'ont fait, ou il y a d'autres vidéos sur YouTube concernant ça. Mais je suis quand même déçu parce que moi, vraiment, je l'ai surkiffé, ces deux vaisseaux. Je comptais même faire une petite POV avec les gars pour en fait voler en atmosphère, pas en RAS mode mais en formation. Donc un peu déçu, mais bah, c'est comme ça. Et puis voilà. Il n'y a plus grand chose à dire sur cette vidéo. Donc les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire ce qui vous a pas plu. Oh, j'ai mon petit bébou qui vient me dire bonjour. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit com, un petit like. Abonnez-vous, ça fera extrêmement plaisir. C'est la BA de la journée, n'oubliez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça nous soutient énormément. Donc un grand merci. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à jouer ou rejoindre une corporation, bah, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord dans la description. Sur ce, merci à tous. Ciao!